qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes. C'est la première fois en fait qu'on fait grève pour la journée des droits des femmes et que ça réfère aussi à un mouvement national, un ras-le-bol général, et aussi parce que cette inégalité salariale en fait ça fait partie des choses inadmissibles qui perdurent et pour lesquelles en fait il y a vraiment clairement un laxiste qui est opéré et qui s'inscrit dans une lecture beaucoup plus globale. Là on n'est pas forcément là que pour le travail et les inégalités salariales, il y a les violences faites aux femmes qui tuent des milliers de femmes tous les ans. Et du coup on est là pour ça. Les droits des femmes concernent aussi les hommes, donc c'est pour ça que je suis là. Et que... parce que je crois que c'est d'abord par solidarité, mais aussi parce que pour le bien de la société, on ne peut pas penser que 50% de la population soit soumise ou alors manque de droits et que l'autre partie puisse vivre sans réaliser qu'à côté il y a un problème. Donc c'est pas possible. On est obligé de considérer que l'ensemble de la population doit avoir les mêmes droits. La CGT, c'est surtout sur le monde du travail et qu'il y ait vraiment une prise en compte dans les entreprises et que ça soit une revendication qui soit vraiment portée en priorité. Pauline Roland, par exemple, Hubertine Auclert, qui a inventé le mot féministe, paraît-il. Clara Zetkin, en Allemagne, qui est à l'origine de la journée du 8 mars. C'est important d'être là, d'abord. Voilà. Parce que je me suis engagée dans la CGT, parce que d'abord pour mon refus de l'injustice. Il y a une des injustices les plus flagrantes qu'on vit au quotidien, que je vis dans ma chair, comme d'autres femmes, et qui est complètement insupportable, c'est l'écart de salaire, l'écart de traitement, dans la vie, au travail, dans la famille, dans les couples, etc. J'ai choisi le syndicalisme, donc j'ai choisi une porte d'entrée qui est le travail, pour dire que ça ne peut pas durer, il faut qu'on change les choses. Donc je suis là, et en grève, j'en suis heureuse.